Les filles, je vous dis la vérité, je suis livide. Là, je vous le dis, je suis clairement en dépression. Ça va pas. Je peux pas rentrer en Algérie. Voilà, pour une erreur que j'ai faite et que je regrette. Moi, quand j'ai été là-bas, les filles. On m'avait juré que comme ils tamponnaient pas le passeport, ils mettaient un tampon genre sur un papier, et ben qu'après je pouvais aller en Algérie. Mais ça c'est le cas pour les personnes qui sont pas connues. Et moi malheureusement je suis connue. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un il y a eu un gros bordel. Tous les gens, ils ont appelé l'ambassade, tous mes tœurs et tout ça, ils ont appelé l'ambassade. Ça a fait une grosse, grosse, grosse polémique. J'étais entêtée Twitter. Comme j'ai parlé de Dologu, tous ses ennemis sont mis contre moi. Toute l'extrême droite, ils sont tous mis contre moi. Ils ont tous harcelé l'ambassade algérienne. Tout le Front National, là, le Rassemblement National. Donc voilà, en ce moment, les filles, je vous jure, je suis trop éprouvée. Et là, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je faisais la forte. Et là, ça y est, je suis plus du tout forte. Ça y est. J'ai plus de force, les filles. Ça y est, je crois que je suis en train de faire une dépression. Je paye les erreurs que j'ai faites, même si je le savais pas. Mais de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'accepter. Donc faites attention. Même si vous voulez aller là-bas parce que vous êtes obligé de passer par là-bas pour aller à l'Al-Aqsa, qui est un pèlerinage chez nous. Ne le faites pas si vous êtes algérien parce qu'après vous n'allez plus pouvoir rentrer dans votre pays. Et vous savez ce que je me dis? Je me dis si Petchal il y a un décès dans ma famille, je pourrais même pas l'enterrer. Moi, là la question que je me pose, c'est si je meurs, où est-ce que je vais être enterré? Je veux pas être enterré en France. Je veux être enterré dans mon pays. Est-ce qu'ils vont ils vont accepter mon corps? Je vous jure, c'est la question que je me pose. Je suis bannie de mon pays. Je ne sais pas si ça va être un certain temps ou si ça va être à vie. Voilà. Et les gens qui se réjouissent, ben réjouissez-vous. Voilà, réjouissez-vous du malheur des autres. Moi, ils savent ce que j'ai fait, comment j'ai défendu mes convictions, tout ce que j'ai perdu. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ben je peux plus rentrer dans mon pays que je vais changer. Voilà. C'est dur, les filles, c'est dur. Mais j'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Vous imaginez les gens sur les réseaux, comment ils sont mauvais. À quel point j'ai des haters, les filles, ils ont téléphoné à l'ambassade algérienne, ils sont partis, ça a fait un gros scandale. L'extrême droite, il s'en est mêlé. Je suis en train de me faire démolir sur les réseaux sociaux. Tout le monde se réjouit de mon malheur. Donc voilà, les filles. Je regrette d'avoir fait confiance. Mais c'est aussi ma faute. J'aurais pas dû y aller aujourd'hui. Mais j'en paye des conséquences. Ça me brise le cœur de pas pouvoir aller dans mon pays. Les filles, vous avez vu comment j'étais heureuse d'y aller. Je vous jure, j'étais trop 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 excitée. Voilà, en ce moment c'est trop dur, les filles. Je vous le dis, je suis en dépression et je pense à tout arrêter, à arrêter les réseaux. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre. Psychologiquement, c'est dur. Puis ce matin, je fais que pleurer, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à me nourrir. Et je me connais, je le sais,
Je suis en train de refaire une dépression. Je suis trop éprouvée, c'est trop dur.